L'ambiance est en train de monter dans toutes les tribunes de l'Albaït Stadium. Salut à toutes et à tous. Le coup d'envoi, c'est pour en quelques secondes. Dans la cabine de commentateur, Benjamin Da Silva, El Petiso, et accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca, la Pulguita, au programme ce 8e de finale de Coupe du Monde. Et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. À 8e de finale, c'est le moment où les choses deviennent plus difficiles, où certains caractères se révèlent. Vous allez voir, il va y avoir des surprises. Allez, voici l'équipe qui va débuter. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Alors, voici la compo de départ. C'est du classique, ce 4-4-2 à plat. Le principal avantage, c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces. C'est le premier ballon dans ce match. Et finalement, l'arbitre revient à la faute et donne le coup franc. Pulisic reçoit le ballon. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Et le but facile, parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. Donc au tableau d'affichage. Khalidou Koulibaly. Ballon est perdu avec cette mauvaise passe. Le ballon donné dans le dos. Excellente défense dans la surface. Et la bonne ouverture, magnifique. Ismaïl Assar. Et c'est dedans.
La réponse est vite venue. Quel scénario incroyable. À peine le but encaissé et c'est déjà l'égalisation. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et derrière, Laurent Contrin, un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Reprend et le score est maintenant de 1 but partout. McKinney. Et la récupération du ballon. Attention, le ballon est rendu à l'adversaire. Et oui, le but, ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. On revoit bien cette frappe. Ce n'était pas forcément le plus facile de jouer le poteau rapproché. Je trouve que c'est très bien vu de sa part. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Khalidou Koulibaly. Et c'est pour Bamba Dieng. Ah, le contact sans faute. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Timothy Weah avec le ballon. Maintenant Pulisic. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Ismaïl Assar. Dieng. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Et ça n'ira pas plus loin. C'est un ballon de contre à jouer. Le ballon est venu embrasser le menton, mais il est reparti. L'égalisation, ce n'est pas pour tout de suite. Face à face avec le gardien. Sur ce ballon, voilà une belle preuve de caractère, de retour dans ce match, et tant mieux pour le spectacle. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible, et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Et c'est donc une nouvelle égalité, match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Le ballon est intercepté. McKinney reçoit la balle. Et finalement, c'est un hors-jeu à quelques centimètres près. Balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Ouais, ballon pour une frappe. Oh, le Sedan, la merveille. Quel but, ce ciseau acrobatique. Mais quelle inspiration. Le ballon qui revient, et sans réfléchir, tu te mets un peu de côté et là, déclenche la foule. Qu'est-ce que c'est beau, man. Ah,
Ah, le score est donc de 3 buts à 2 avec ce but marqué. Et c'est bien défendu, sans faute. Olé, belle technique là. Un face à face à négocier. Ah, le gardien repoussé, attention ce ballon qui traîne. Et ça finit par rentrer, malgré la belle parade. Son sens du but, son flair ne pardonne pas. La balle est relâchée au deuxième poteau et forcément c'est plus facile pour la mettre au fond. Mais il faut se trouver au bon endroit, au bon moment. Il y a de la chance dans le football, mais ça ce n'est pas de la chance, c'est de l'anticipation. Goal 4 buts à 2 au tableau d'affichage. Intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc. Et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça me paraît juste comme décision. Aucune prise de risque, ce ballon est dégagé. Ouais, c'est bien lui ça, bonne interception. Bonne course dans le couloir pour venir provoquer balle au pied. C'est un bon ballon ça. Le tir est puissant mais le 1 contre 1 est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans son genre de situation. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Passe coupée au bon moment, bien joué. Et voilà, ça sort en touche. Bamba Dieng. Bon ballon en profondeur. Et oui, bien fait, c'est pour Diatta. Bonne intervention du gardien. Et encore un arrêt du gardien. Et oui, il est récupéré ce ballon. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. McKennie. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. L'intervention de l'arbitre, c'est terminé. C'est donc la pause à l'Al Bayt Stadium. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Ce ballon est intercepté. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Ça joue avec Dest. C'est un ballon qui est récupéré. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse.
Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Voilà, le remplacement intervient. Diatta à la réception. Allez, le danger bien repoussé par le gardien. Ça sort, c'est corner. C'est bien parti pour ce corner. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Bien anticipé. Le ballon est intercepté. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. L'option de la contre-attaque est possible. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Et le bon retour défensif, ça pousse.
peut être dangereux. Le ballon est récupéré. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Wea. Oui, bonne intervention. Les 20 dernières minutes de la rencontre. C'est pas très bien défendu et donc il y a un coup franc pour l'adversaire. Ah, le gardien se couche bien sur ce ballon. Ah, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention avec Crépin Diatta. Ballon pour Gueye. Aïe, le ballon est finalement rendu à l'adversaire sans trop de problèmes. Ah, le contre est possible. Pulisic reçoit le ballon. Et il vient repiquer vers le but. Et aucun doute pour l'arbitre, c'est pénalty. Pénalty, mais pas de carton, c'est plutôt surprenant. Elle a eu de la sensibilité pour cette action. Tant mieux pour cette équipe. Penalty transformé, c'est très bien frappé. Le contre-pied sur ce penalty est parfait. L'anticipation ne lui a même pas permis d'effleurer le ballon. Un penalty qui est parfait. Ah, nous sommes gâtés, le score est maintenant de 4-3. Tiens. Ismaïl Assar. Ça sort des limites, c'est une touche. Attention à la frappe. Ouais, la balle captée sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Ouais, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Un ballon récupéré. Reina. Toute l'équipe y croit. La dernière chance peut-être pour essayer d'égaliser. Et c'est capté sans problème par Edouard May. Et ce ballon est récupéré. Il peut frapper Pulisic. La détente de Mendy pour aller éloigner le danger. L'entraîneur va réaliser un double changement. Le corner. La défense éloigne le danger sur ce corner. McKenny reçoit la balle. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Ismaïl Assar sur le côté, il a du champ. Attention à cette passe. Pas évident cette prise de balle sous pression, mais c'est parfaitement réalisé. Le coup de sifflet final, synonyme de délivrance pour cette équipe qui sera bien présente au prochain tour de la compétition.